Bon bref, bonjour YouTube. Oh, c'est l'effervescence, hein, YouTube. La bande-annonce de KT est sortie aujourd'hui. Moult discussions à ce sujet. Pendant ce temps-là, on va essayer de terminer cette campagne avec Tonton Torek. Karak Drone, on est où? D'accord. Pic Noir en ordre public, ça va. Belégar, est-ce que tu as l'attaque éclair? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, Belégar. Bonjour. Je pense que vous êtes assis sur quelque chose qui m'appartient. Allô ? Qu'est-ce que vous dites? Perte moyenne. Non, parce que genre... Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler des mêmes unités. Non mais les Ferox, on va leur souffler dans les naseaux et c'est terminé. Enfin, je sais même pas pourquoi je fais ça. Ah oui, tiens, ça ne marchera pas. Hein. Ça régénère pas les... Non, ça soigne pas les trucs. Bon voilà, ils ont fait prout, hein, bon, c'était perte moyenne. Ouais, moyenne. Merci Maximus Trollus TV pour les 7 mois. Petit pourboire pour passer la pilule de Warhammer 3. Oh mais avec l'hype qu'ils nous ont mise aujourd'hui. Enfin, tout est pardonné quand même. Victoire décisive, oui. décisif, oui, oui, c'est le mot. C'est pardonné, mais oui, enfin... Les renforts avec l'attaque éclair, c'est buggé dans la dernière mise à jour. Ah ? Ah ouais ? La mise à jour qui supprimait les bugs ? Celle-là ? C'est... D'accord. Je crois qu'à force de faire des corrections de bugs qui créent des nouveaux bugs, un jour ils vont nous dire non, foutez-nous la paix avec les bugs, achetez le 3. Laissez-nous tranquille. Voilà, par contre, il y a un peu plus de monde. Oh, il m'enlève juste les marteliers en ces tentants. Par contre, ça c'est non, hein. Ça c'est non, hein. Bon, ils sont un peu plus nombreux. On va se faire une petite fricassée d'orques. Bonne petite fricassée au beurre là. Ça va être plaisant. Ils n'avaient... Ah, ils avaient quelques archers quand même. Donc prudence. Belégar, le maître des runes, il peut se mettre là aussi. Ah
Alors toi, tu vas là. Bon, ok, je crois pas que ce soit avec leurs quelques archers qui vont vraiment me faire mal. Orques sauvages, bon, ils ont un tout petit peu de tir perce armure, mais je crois que ça va. Je suis complètement paumé, j'ai pas suivi la campagne avec Torek. Eh bien, pour l'instant, on est... Oula. En train de remonter vers... Ouh là là, ils ont pas aimé ça. On est simplement en train de remonter tranquillement vers... Attends, quoi? Ah oui! Venez! Aïe! Oui, mais là, il y en a quelques-uns. Tout va bien! Oui, d'accord! YouTube, ça va. Hein. Je suis pas encore remis des annonces de Warhammer 3, hein, de Katé. Non mais allez, tape-le lui. Auto-buff toi. Le petit soin qui va bien. Ok, c'est bien ça. Oh ben les gars là. Il a défoncé tout le monde hein. Allez allez. Toute sa vie, lui. Fallait faire l'inverse. Oh, je suis fatigué. Fatigué. Ça promet pour la suite. ça va être compliqué. Prends des motions, le caleçon tient plus. Oui, c'est surtout des... Les heures s'enchaînent. Pour pouvoir suivre l'actu à un rythme effréné. On est là, on regarde Torek, mais on peut pas oublier que Katé arrive et ce n'est rien à côté de Singe qui arrive. Bref, merci pour le contenu et le partage de la hype quotidien, avec grand plaisir. À moi, Katé, c'est passé, vraiment passé à hype maximum, hein, là. Vraiment. La faction que j'ai vraiment envie d'utiliser, enfin d'essayer, Day One. J'espère que j'aurai un petit bug pour pouvoir mettre les mains dessus bientôt. Et que je puisse vous montrer ça. J'espère. Des nains plus grands avec de la magie et un dragon. C'est vrai que c'est un peu ça. Hein. Après, ils seront moins défensifs que les nains. Surtout les nains au fil des patchs. Et il faut quand même pas déconner. Avec la dernière refonte avec les runes et tout. Les nains sont encore plus tanky qu'avant. Hein. C'est encore pire. Hein. Ils ont plus de possibilités de buffer... De buffer les troupes. Et vraiment, ils arrivent à des... Un niveau de tanking stratosphérique. Hein. Oh, mais c'est pas mal tout ça. Hein. Alors, Karakoui pique. Portée de déplacement plus 20% pour les armées débutant leur tour dans cette région. Croissance plus 5, revenu du commerce 10%.
C'est beaucoup ça. Taux de reconstitution des victimes, 15%. Entretien moins 5% pour les unités de brise-fer. Pour toutes les armées, rang recrutement plus 3 pour les brise-fer. Revenus générés par les bâtiments, plus 10% de toutes les régions de cette province. Il y a des mines ? Non. Juste un entrepôt de bois, dommage, mais sympa quand même. Chagrin de Valaya, j'ai un peu peur qu'ils y aillent. Ou alors ils vont me rusher moi, je sais pas. Je sais pas. Donc reste Nurgle et Nurgle et Slaanesh, hein. Et puis après bonus de préco et puis Zou. Hein. Ah ouais, mais ils revenaient de l'ouest, les petits salopios. J'avais pas une armée ici dans le coin, moi. Ah mais non, Torek il est là. Oh, terrible. Il est à Nagashizar. Bon ben, eh, ça y est, on est à Nagashizar. Ah, vous êtes contents? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Nagashizar? Ah bah, tier 5, ah bah oui, bon, on y est presque. Revenu généré 200, incroyable. Immunisé à l'usure vampirique pour toutes les armées, génial. Corruption vampirique plus 50 dans la région locale. Ah. Commandement plus 10 en combat contre les comtes vent... Commandement plus 10, oui mais commandement pour des nains. Allô. Immunisé à l'usure vampirique pour toutes les armées, les unités gagnent deux fois plus d'XP lorsqu'elles affrontent les comtes vampires, la côte vampire, les rois des tombes, enfin tous les morts vivants quoi. Ok, super. Merci beaucoup. C'est vraiment super, hein. Nagashizar, c'est... Faut que je fasse un tuto. Comment gagner une campagne? Allez à Nagashizar. Allô? Ah, monsieur... Soit monsieur Cast. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. Comment ça va? Oh oui, les dragons. Mais oui, les dragons. La waifu du siècle. Est-ce que toi aussi tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que la... Merde, j'ai envie de dire mage dragon, mais non, comment elle s'appelle? Miao Ying. C'est le personnage le plus stylé des trois jeux tout confondu. Le plus badass. Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord là-dessus? Et bienvenue à tous, bien sûr. J'espère que le stream s'est bien passé de votre côté. Molo molo quand même. Oh franchement, elle est stylée. Malus. Ah oui. Oh non, ça se fait pas ça. Ogre, cavalier, machin. Oh non. Il y a des gros clients en face. Mais non, mais le perso est quand même ultra badass quoi. Elle se jette du haut d'une falaise, elle se transforme en dragon. Je suis désolé, mais je l'ai montré à mon fils de 10 ans ce matin, il m'a dit la même chose hein. Ah oui, du coup, mon fils de 10 ans a vu un trailer en exclusivité mondiale. Avant vous tous, chais. Il a dit tout de suite qu'il était d'accord. Hein. C'est trop classe, quoi. Donc, t'as les mêmes goûts qu'un enfant de 10 ans. Ça se tient, ce que tu dis là? Ah merde. Bah, je viens de tendre une grosse perche, Alpha il l'a saisi, il a fait ch'dongs. Corruption. Merci Nivus pour les 11 mois. M'en fous pas lui. Non mais alors Tsinch aussi, quand même. Tsinch, les premières unités vues, ça va annoncer du lourd. Avec Kairos comme seigneur légendaire a priori. Guerrier du chaos sur disque de Tsinch, on en parle. Mais ça existait, sa communauté. Hein. C'était sur Battle, ça existait. Et d'ailleurs, a priori, ça pourrait être une monture. Ça pourrait aussi être une monture pour les persos, je crois. Merci Loris pour le sub offert. Par contre, c'est marrant parce que là, ça va être... De ce qu'on voit dans le trailer, à mon avis, c'est du genre comme les champions. Comme chez les guerriers du chaos, ils ont les champions. Donc un petit régiment avec... 10-12 personnages. Mais sur disque. C'est trop cool.
Plutôt les raies qui seront des montures, je pense. Les raies, je suis pas sûr qu'elles existent en mode monture. Alors corrigez-moi les experts du lore, mais il me semble pas que les raies, les hurleurs soient utilisables comme monture dans le jeu. Mais les disques, ils sont bien classe. Les overboards, là. Les disques sont les hurleurs. Les disques sont les hurleurs, mais les... Attends. Hein? Mais les espèces de raies, là, c'est pas... C'est ça, les hurleurs. Les hurleurs sont remodelés pour en faire des disques. Ah bon? Oh là là. Attention, c'est peut-être différent dans Age of Sigmar. Oui, les raies sont les hurleurs, mais non. Ah, bon, attendez, je pense que nous venons de jeter la confusion dans le chat. Nous venons de créer un schisme dans le chat. Par contre, Kairos, selon le lore, ne serait pas le mage le plus puissant du jeu. À voir. Bah, a priori, chez Tsinch, c'est là qu'on devrait trouver les meilleurs mages. En théorie, c'est quand même là-bas qu'on devrait trouver les meilleurs mages du jeu. Ce serait assez logique. En tout cas, ils seront dans le vraiment le top of the top, hein, ça c'est sûr. Les raies sont les hurleurs et les disques sont des démons transformés. Un disque et un hurleur, c'est différent. Ah! Mais peut-être que Age of Sigmar, c'est pas pareil, en fait. Il y a peut-être des gens qui sont habitués à Age of Sigmar où les choses ont changé. Je sais pas. Osef du schisme, il y a la waifu dragon. Ah, on est d'accord, Melkor. Voilà, Melkor est d'accord avec moi. Dans Age of Sigmar, c'est pas pareil. Ah oui, tu confirmes, Addict? C'est pas la même chose? Mais c'est bizarre que ça ait changé entre les deux alors. Je sais pas. Je connais pas Age of Sigmar. J'aurais pas dire. Mais en tout cas, il me semblait bien que les raies c'était les hurleurs. C'est ce que j'avais lu. Peu importe Age of Sigmar ou pas, hurleur égale unité unique ou tir des véhicules et disque égale monture. Unité unique? C'est pas des hordes? Enfin, c'est pas des unités avec plusieurs trucs dedans? Après, vous voyez, c'est la faction de Tsinch qui a semé la confusion dans le chat. Quelque part, on est raccord. Par 3 dans le jeu de filles. Ah, voilà. Ah oui, donc pas nombreux, quoi. Bah, peut-être comme les chiens de Khorne, là. Ils sont pas très nombreux non plus, je pense. Ils font mal, ils sont assez impactants, mais du coup, ils sont pas très nombreux. Faut aussi faire gaffe à ceux qui réfléchissent en termes de règles de jeu. Oui, par rapport au background, effectivement, il faut... Ce sont deux choses différentes, mais... Mais oui. Bon. Ah ouais, d'accord, là, c'est rébellion plus truc. Bon, bah les gars, il faut... Oh non! Oh, la bande d'emmerdeurs. Bon, tant pis, je vais devoir me retaper une armée de plus, mais alors du coup, oh là là, les finances, ça va être une catastrophe. Mais allez, go, hein. Sinon, t'as bien des chariots tirés par des hurleurs. Mais c'est Age of Sigmar, ça. Ou c'est Battle, c'est Fantasy Battle, il y avait ça.
Les deux? Des chars volants? Oh, ça serait cool ça. Des espèces de chars volants. Énormément d'unités volantes, hein, n'empêche, dans le trailer de Tsinch. Ouais. Faut qu'il bouge, lui. Faut qu'il bouge. Il va falloir que j'aille chercher celui-là. Et puis après, éventuellement, je peux redescendre. Ah, bon, bonsoir, messieurs, dames. Au milieu du bordel. Ok. Je rêve du retour des Skycutters aux elfes. Ah oui. C'est vrai que c'est un truc. J'étais étonné qu'ils ne le mettent pas d'ailleurs, les Skycutters. C'est comment en français? Je sais plus. Les Skycutters, c'est des espèces de barques, mais flottantes. Des petites barques flottantes sur un coussin de magie, de tissu de l'univers, et qui sont tirées par des aigles, ou des éperviers, je crois, des trucs comme ça, des énormes éperviers qui tirent le chariot, et dessus, t'as soit des tireurs, soit des balistes. C'est super classe comme unité. Et c'est vrai que ça n'a pas été ajouté au... Le cotre volant, exactement. Ça n'a pas été ajouté au jeu, j'avais été étonné d'ailleurs. Quand on avait eu le DLC Deltarion, j'étais convaincu qu'on allait avoir ça. Et il n'y a pas eu. C'est quand même une unité vachement classe. Vachement classe, mais en termes de jeu sur la table, bof et cher en points. Oui, mais bon, ça, l'équilibrage d'une figurine sur table peut être très différent de l'équilibrage d'une unité dans un jeu vidéo. Hein. Voir ça se rééquilibre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Faut pas réfléchir en mode, ah oui, mais non, sur table, c'était nul, donc dans le jeu, ce sera nul. Hein. C'est deux choses totalement différentes. Mais le cotre volant, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelait. Est-ce que tu penses que les futurs travaux de Creative Assembly sur Total War Warhammer pourront porter sur Age of Sigmar? Pas pour Total War Warhammer 3. Ça, ils l'ont dit ouvertement. Par la suite, on n'en sait rien. Mais moi, ça m'étonnerait. Ce serait peut-être un peu trop proche. Mais bon, on sait jamais. Impossible à dire en vrai. Trop jeune et changeant Age of Sigmar pour l'instant. C'est pas tellement ça, c'est plus que ça ferait peut-être un peu trop redite avec Total War Warhammer en fait. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que le public serait hyper partant pour un Total War Age of Sigmar. Je sais pas. Total War 40k, on dit pas non. Ah ça, je suis premier preneur. Mais beaucoup de personnes frôlent la crise d'hérésie lorsqu'on parle de ça, lorsqu'on aborde ce sujet. C'est un sujet compliqué. Mais moi, je serais tellement saucé. Petit peu chiant, mais là, avec la corruption et tout, Torek, je sais pas trop comment il va sortir de là. Sans que la province ne s'effondre derrière lui. En tout cas, le truc qu'on peut dire très clairement, c'est que le trailer de KT envoie quand même du steak, hein.
Il est très très classe. Même si j'avais espéré secrètement un petit trailer en CGI de plus, j'aurais vraiment beaucoup aimé. Dommage, mais bon, il est quand même très très classe. Oui, Melkor. Je comprends. Il est vraiment magnifique. Ah ouais, moi j'ai vraiment surkiffé. Ils sont chiants avec leurs 10 milliards d'armées, les peaux vertes. Peu importe par où je les repousse, ils reviennent toujours à 25 par un petit coin. Et il faut chaque fois que je repasse dans les montagnes pour me les faire. Est-ce qu'un Total War peut être moderne de toute façon? Un conflit à coups d'armes à feu et de chars d'assaut est bien trop différent des formations traditionnellement rencontrées dans les Total War. C'est vrai que ça serait bizarre. Je comprends ce que tu veux dire. Hein, avoir des chars de la Première Guerre mondiale qui se font charger par des berserkers de cornes, effectivement, ça serait inédit, quoi. Bon, je parie qu'il y en a encore une qui se balade là. Oh, faut vraiment aller les traquer partout, mais nettoyer les peaux vertes dans les montagnes, c'est vraiment un boulot à temps plein. Hein. Darktide était repoussé aussi. Darktide repoussé à 2022, ça fait un moment ça. Ah oui, Rocher. Oh. Quel relou. Bon, toi, faut que tu reviennes. Hein. Oh non, j'ai pas la portée. Oh, quel enfer. Bon, là, je l'aurai. Après, je l'aurai. Va pas me faire ce coup-là. Oh, cette guerre qui va durer 10 000 ans. Bâtiment endommagé, on s'en fout. Ah ouais, d'accord, il est là. On est parti pour 150 tours de plus. Bon, je sais pas, Grimgor, il est quand même en train de mourir hein, depuis une cinquantaine de tours. C'est juste que c'est long, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on le repousse, il revient. C'est vraiment la marée peau verte qui revient. Tout le temps. Et il a beau se prendre des grosses tatanes. Il a plus grand-chose hein, comme territoire. Mais le peu de territoire qu'il a, il arrive toujours à y refaire 3-4 armées qui reviennent. Et on sait jamais trop par où. Avec un peu de chance, l'Empire va commencer à s'en charger. Non, il avait déjà fait ça. L'Empire l'avait déjà bien calmé. Mais là, l'Empire, il est occupé ailleurs. Je sais plus sur qui, mais il est occupé ailleurs. Non, va falloir traquer ces armées une à une, récupérer toutes les garnisons, toutes les colonies. De toute façon, c'est ce que je fais depuis 100 tours, là. Enfin, j'exagère un peu, mais ça fait un moment que je reprends des territoires, il me les reprend, je lui reprends, il les reprend, je lui reprends. Mais à chaque fois, je reprends un peu plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Non, mais attends, c'est quoi ça? Mais jamais je perds ça. Jamais je perds ça. Il m'a déjà fait le coup la dernière fois, je crois. Il me mettait perdant pour une bataille de siège alors que jamais, quoi. «
J'ai des arquebusiers à plus savoir quoi en foutre. Il est où le dragon? Il est là. Ouais, on va essayer de le dégommer avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et s'il se pose, j'ai quand même de quoi le défoncer. Ça, je vais venir les mettre là. Et pour le reste, on tankera comme il faut avec l'infanterie et un petit peu de renfort. Voilà, allez. Allez, le dragon, il va faire prout. Ah, ça tire des boulets de canon en plus. Bon, bah alors... Alors, on est bien. On est d'autant mieux. Évidemment, il part par là. Par contre, après avoir vu Kairos et Scarbrand, j'ai hâte de voir Rotigus pour Nurgle et Chalraxy pour Slaanesh en seigneur légendaire. Rotigus, je vois lequel c'est, mais chez Nurgle, il me semble qu'il y en a, il y en a pas mal des seigneurs qui pourraient faire office de seigneur légendaire. Allez, où ? Il tire là ceux-là, ouais. Ouais, même si pour l'instant ça sert à que dalle, mais c'est pas grave. Bon, le dragon déjà il a fait prout. Direct. Qu'est-ce qu'ils vont devenir hein, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir eux dans le 3 hein? Elle est sombre cette map. Tellement classe. Tellement faible pour l'instant. Demande vraiment ce qu'ils vont en faire. Assez flottiche pour les 5 mois. Cathédrale. Oh merci, bienvenue. Bienvenue ici. Bon bah démon majeur. Pas tant que ça au final. Par contre pour Slaanesh on aurait une carry aussi. Il y a un lien dans Battle alors que Chalraxy est apparu dans Age of Sigmar mais censé avoir existé en Battle. À mon avis ils vont commencer par les... Tout ce qui est emblématique de l'époque de Battle quand même. Sans doute. Bon là tant pis, je vais ignorer ce qui se passe. Allez, accrochez-les. Quand ils ont séparé les guerriers et les démons dans Battle, les guerriers n'étaient plus vraiment joués par manque de puissance. Oui, mais encore une fois, dans un jeu vidéo, on n'est pas du tout obligé de reproduire l'équilibrage du jeu de plateau. Surtout si l'équilibrage du jeu de plateau était bancal sur la fin. Je pense que les factions du 3 devraient être assez équilibrées. Parce que elles sont faites pour arriver ensemble et je pense que ça va aller. Par contre, on verra comment ils vont réussir à gérer l'équilibrage... entre les factions du 3 et celles des anciens. Bah, y en a qui vont très très bien encaisser le choc, genre O-Elf, Homme-Lézard, Côte Vampire, bon, toutes ces factions là qui sont super fortes, elles vont très très bien encaisser le choc je pense. Après les factions genre Bretonnie, les Skaven aussi vont très très bien le vivre. Mais les trucs du genre Bretonnie... K.O. Norska, tout ça, faudra voir. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus douloureux.
Ils vont les refaire modifier. Ils pourront pas tout modifier à la sortie de Mortal Empire, hein. Je crois pas. Ça ferait un petit peu beaucoup quand même. Je pense qu'il faudra attendre un peu plus longtemps. Ça ferait beaucoup de trucs à faire pour la sortie de Mortal Empire, qui est déjà un travail en soi, quoi. Merci Shadows pour les 17 mois. Je suis hype pour KT. Ça va être des nains en plus grand. C'est vrai que le gameplay risque d'être quand même un petit peu plus péchu, quoi. Ouf, l'exécution des chevaucheurs de sang-froid. Ouais, les nains, je pense qu'ils s'en sortiront très bien aussi. Hein. Je crois pas qu'ils soient trop à plaindre pour le moment non plus. J'ai peur que Korn ressemble trop aux hommes bêtes rework par contre. Ah bah en termes de gameplay, ça va être un peu la même chose, avec plus d'unités blindées quand même. Les hommes bêtes ont moins d'unités armurées, ils en ont un petit peu plus pour Korn, mais c'est vrai que ça va se ressembler. Bah forcément, ils ont pas de distance, enfin très peu de distance, beaucoup d'unités qui sont faites pour aller frapper très vite et frapper très fort. Des démons indémoralisables, ouais, et des trucs différents. Il y aura moins de gestion du moral. Alors que homme bête, t'as quand même beaucoup de problèmes de morale. Ah, par contre, si vous voulez virer la... Ah, bah... Quoi ? Ils s'entendent bien ! Ah, Grimgor et Setra, ils s'entendent bien. Mais quel enfer. Allez, bouge pas, tonton Grimgor, j'arrive. Je suis à quoi, là, moins 18 ? Ah, ça va aller vite, hein. Quand je leur aurai piqué cette province-là, ça ira déjà un peu mieux aussi. C'est quoi ça? Ruine des ancêtres, réduction de perte de vigueur, moins 25%. Oui. Ah oui, c'est l'armée un peu particulière avec... où il y avait moult tueurs. Ouais, quand j'aurai cette province-là, ça ira nettement mieux. Hop. Tu penses possible un nouveau DLC en fin d'année du fait du report? Ah oui, ça c'est une question qui tournait un peu tout à l'heure. Et c'est vrai que... C'est vrai que c'est légitime de se poser la question, là. Vu que maintenant, ils reportent Warhammer 3 à début 2022 et on sait pas trop quand en 2022. En fait, je pense que toute la réponse est là. Si c'est prévu pour genre février 2022, bon bah ok, ça va. Janvier, allez, fin janvier, début février, est-ce que c'est vraiment la peine de travailler sur un nouveau DLC en urgence? Bon, je pense pas. Par contre, s'ils se disent ça sortira pas avant fin mars, début avril, oh, ça vaudrait peut-être la peine de faire un petit DLC, quoi. C'est vrai. S'il lâche le préco en novembre, ça servira de DLC. Ça peut aussi. C'est vrai que le bonus de précommande jouable sur le 2, moi personnellement, j'y croyais plus trop.
du fait que... Ah merde. J'y croyais plus trop du fait que on arrivait trop près de la fin de l'année. Mais là maintenant, c'est autre chose. Avec le report. Non mais ça non plus, ça se perd pas. Pas d'arquebusier, dommage, mais quand même 5 arbalétriers, canon, catapulte. Non mais jamais il passe. Du coup le bonus de préco serait pas les nains du chaos? Soit les nains, soit nains du chaos, soit ogres, soit dogs of war, tout ça c'est possible. Pauvre Katarina qui va regarder tous les autres seigneurs légendaires d'en bas. C'est la seule à pas faire 30 mètres de haut. Elle a quand même des montures. Attends, elle a quand même des montures sympas, Katarina, je crois. Elle a quoi comme monture? Elle peut aller sur ours. Non, l'ours élémentaire, elle peut pas. Hein. J'ai pu. Sur ours, en tout cas, ça elle peut. Le reste, je suis plus sûr. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal quand même. Un ours vénère, bon. Déjà sympa. Ah, le char aussi, oui, c'est bien possible, le char de glace, là. Ils sont assez stylés, d'ailleurs. Je parie sur les ogres, vu que le frangin dragon défend l'est de Katé. Je sais pas. J'en ai aucune idée du bonus de préco. Je trouve que ça peut être l'un ou l'autre. Que les deux s'expliqueraient très bien en fait. Donc je sais pas. Oh la hitbox! Oh la hitbox du truc! Qui est énorme! Oh la hitbox, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Elle fait cette taille là. Ah bon? Ah oui, j'allais dire l'hydre, elle s'est barrée. Pas du tout. Bon, après il y a les canons derrière. Par contre, il va me falloir les longues barres pour aller tenir tout ça. Ok, les arbalétriers ont tout défoncé. Essayez de finir celle-là, tiens. Merci, Icyrus Lee, pour les 2 mois. Penses-tu qu'on puisse avoir du contenu ou des corrections supplémentaires pour Warhammer 2 vu que la sortie du 3 est reportée? C'est ce qu'on disait, oui, à l'instant, mais... c'est bien possible. Du contenu supplémentaire pour Warhammer 2 du fait du report, c'est... C'est possible. Il devrait peut-être s'exprimer sur ce point-là d'ailleurs, Creative Assembly. D'un autre côté, s'il comptait rajouter du contenu Warhammer 2, il l'aurait annoncé au moment du report, je crois. En toute logique, ils auraient dû l'annoncer au même moment, en fait. Parce que ça aurait calmé un peu les joueurs qui sont pas très contents du report, quoi. Donc à mon avis, il l'aurait dit... Euh...
Combien à la porte? Ah, il va rentrer. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que le canon fasse son taf. On va juste lui filer un petit coup de main. Donc ils vont rapidement perdre leur morale et puis on n'en parlera plus. Je sais pas s'ils peuvent la toucher là. Ah ouais, pas. Ouais ouais, non, c'est bon. Pour moi ça change rien car je pense que les teams DLC bossent déjà sur les DLC du 3 et tant pis pour les joueurs pas contents. Il y avait même pas de date précise pour la sortie donc bon, ils s'en remettront. Je sais pas. On sait jamais qui décide. On sait jamais qui décide de se dire ok, on va déplacer un petit peu les équipes et faire un petit DLC Warhammer 2 en attendant. J'en sais rien. Faut quand même qu'ils mangent tous ces gens-là. Bon, ils ont probablement les reins assez solides pour tenir jusque la sortie du 3, mais enfin quand même. Parce que les trois royaumes, a priori, il n'y a plus rien de prévu. S'il n'y a vraiment plus rien d'ici là. Bon, ça ne fait jamais que quelques mois. Bon, enfin, quand même. Je sais pas. Ça pourrait les décider, ça, quoi. Se dire, bon, allez, ça fera quand même rentrer de l'argent dans les caisses. Et on aura qu'à reporter un tout petit peu la sortie du premier DLC Warhammer 3. Un tout petit peu plus loin. Et puis c'est bon. Merci Gadoned pour les 2 mois. Vivement que tu puisses nous faire rire et jouer avec nos cousines dans le 3. Merci à toi. Merci beaucoup. En espérant qu'il n'arrive pas trop loin. Je doute qu'ils soient dans la merde financièrement pour tenir jusqu'au 3. Ils n'ont pas les reins pour tenir... S'ils n'ont pas les reins pour tenir jusqu'à la sortie, je m'inquiéterais pour CA. Je sais pas. Après, ça peut aussi être... c'est pas que ce soit pas qu'ils aient pas les reins assez solides, mais genre... pas prendre de risques, quoi. J'en sais rien. Je sais pas comment ils raisonnent à cette échelle-là. Hein. Ils sont quand même 800, hein. C'est parce que vous, monsieur Melkor, vous avez l'habitude de vendre des morceaux de plastique à 40 balles. Je taunte. Calmez-vous. On se détend. Non, 90 euros. Nuance. Oh là là. 40, c'est gentil. Non, mais... Les petites. Oh, ça y est, j'ai plus de revenus. Tiens, voilà toi. Attends, on va réfléchir une seconde. Merci Escoon pour le Prime. Bienvenue à toi, merci beaucoup. Ouh, il y a du monde là-bas. Je m'attendais pas forcément à un truc pareil. Oh, les mécaniques de WAG. Ah ouais, mais attends, avec l'attaque éclair. Mais oui, mais il est en garnison. Mais si je fais ça, ça l'enlève quand même. Oui! Ouais, c'est bon. Ou sinon un petit FLC Norska ou un FLC, c'est vrai que plutôt qu'un DLC, un DLC, enfin gros entre guillemets,
Il pourrait très bien se dire, on va faire un petit DLC, un petit rework. On va en profiter pour faire ça. Pourquoi pas? Les tueurs, je les utilise vraiment comme des... comme des préservatifs. Bonsoir à tous. Mais c'est un peu ça quand même. Mais tu les réutilises pas dans plusieurs batailles? Oh, c'est dégueulasse! Enfin, on va pas faire ça! Ils sont sales, on les a utilisés une fois, après on en prend d'autres. Ya chérie, tu m'achèteras une boîte de tueurs. Les messages codés. Ne faites pas ça, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ou alors faites ça chez vous, mais vous ne dites pas d'où ça vient. Hein. Faites pas les cons. C'est votre problème, mais bon. Oh yes, après je sécurise le truc ici. Quand j'ai cette province là, ça sécurise le nord-est. Côté peau verte. Ça c'est déjà pas mal. Pop-pom. Canon, canon org, ouais, mais il n'en a pas beaucoup. Bah, c'est quoi le buff? Ah ouais, réduction de temps de chargement 10%, puissance des tirs 12%. Ouais, c'est quand même difficile de dire non, même pour deux canons org. Ok, la lance d'argent. Ah, bah j'ai un objectif là-bas. Très bien. Ah, les hommes lézards qui ont repris cette partie-là. Ah, mais du coup, ils ont fait sauter ma... ma rancune. Parfait. Parfait, parfait. Comme je suis en alliance militaire avec eux, c'est bon. C'est valide. Merci Avion de Chias pour les 11 mois. Merci beaucoup. Ouh, il va me poser des problèmes lui. En même temps, il est assis sur des territoires qui m'intéressent. Donc ce problème pourrait aussi se transformer en opportunité. Bonsoir. Ça c'est con hein, l'interception là. Petite interception souterraine. Oh, il se balade partout avec ses WAG, mais quel cauchemar. Qui est la cible de WAG d'ailleurs? Il est encore vivant lui, mais oh. Qu'est-ce qu'il a en... Oh mais il y en a encore là. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. Allez, Bélégar, va vite récupérer ça. Et après, il peut redescendre, il sera tranquille. On sera safe. Ici, idem. Si je reprends Karazakarak, on est ok. Oh, on est à la maison. C'est déjà ça. Direct
Oh oui. Oh oui, avec pas besoin du bâtiment de défense, on a déjà une défense assez solide. Bon, à part que les troupes devront se reconstituer, mais en plus avec un ingénieur et un TAN. Très bien. Très très bien. La province, c'est ok. Super, il y en a un. Ah non, il y a les rangers aussi. Gaffe à la révolte à Nagashizar. Nagashizar, je vais être très honnête avec vous. Si ça tombe, j'en ai un peu rien à secouer en fait. À part que je vais avoir une rancune, mais bon. Bon alors après... Oh, ils ont repris tout ça. Parfait, je vais pouvoir descendre là. Oh, s'ils pouvaient défoncer le rocher de fer aussi. Ça m'arrangerait bien. Alors, Torek, on récupère ça. So it's war. Good. Voilà. Bon, du coup, ça devrait attirer les armées pauvres vers moi. Et pouvoir les attraper par les bretelles et m'en débarrasser. Est-ce que j'ai encore dans mes... Ah ouais. On va en profiter. Hop. Comme ça, je reconstitue les tueurs. C'est les seuls qui soient vraiment amochés. Ah non! Ah, c'est une arche. C'est une arche. Ça va. Oh bah non, Nagashizar, ça va encore en fait. Attends, si je fais ça, franchement, ça va quoi. Il y a moyen en vrai. Par contre, la gorge de la mort... Je pense... J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dedans en fait. Il n'y a pas d'armée. S'il n'y a pas d'armée, même avec ce que j'ai là, je peux aller les chercher. Je peux aller les récupérer. Et reprendre un petit peu tout ça. Bah écoutez, parfait. Non, c'est bon. Je commence à reprendre le dessus sur la zone. Ça va le faire. Il a fait un edit à Nagashizar. J'ai fait un edit à Nagashizar, mais je crois que j'ai mis le truc croissance. J'aurais peut-être dû mettre intégrité, ordre public. Ouais. Ce serait mieux. Enfin, quoique la croissance, ça veut dire pouvoir upgrader plus vite et donc avoir des bâtiments d'ordre public plus haut tiers. Donc bon, c'est bien aussi. J'ai un trou de mémoire. Il lui est arrivé quoi à Snitch dans cette campagne? Oh, il est mort au tout début. Il a pas passé le tour 50. Ça a été super vite. La forteresse de Vorag ou Bastion Sombre donne de super bonus? Je sais plus. Ah, qu'est-ce que ça va me donner ça hein? Qu'est-ce que ça me donne? Morceau d'artefact sécurisé, oui. Je commence à en avoir quelques-uns des artefacts. Ah! Équipement militaire de Morgrim, portée plus 15% pour les balises catapultes et catapultes des rancunes et arbalétriers. Puissance des tirs 15% pour les balises catapultes et arbalétriers. Munition 15% pour balises catapultes et arbalétriers. Et réduction de temps de chargement. Ouais. D'accord. Donc c'est une rune de seigneur ça. C'est quoi ça? Optimisation 35 secondes. L'unité est invulnérable aux dégâts. Ne s'applique pas aux unités invoquées. Plus 24 d'attaque de mêlée indémoralisable. Pendant 35 secondes, invulnérable aux dégâts, plus d'attaque de mêlée et indémoralisable. Donc l'armée indéboulonnable.
Morgrim's gears of war will churn once again. Équipement militaire de Morgrim. Ah. Ah ouais. Pour tout le monde. Ah, ça va être bien pour mettre dans les armées secondaires des Arbas. Pour pas cher. Pas trop trop cher. Ça donnerait quoi lui s'il en prenait? Avec tout. Arbalétrier de base. 78 de base. Donc il pourrait encore monter. Ah ouais. Ouais, ils sont à 40 quand même les arquebus. Quoi? 48, 36. Ouais, mais ils ont des runes. 48, 36. Pourquoi il a 36 lui? Ah mais oui, rang 7. Oui, effectivement, c'est or ça. Le bonus. Bon. Ouais, fort du croto. Ah! Obsession. Ne vendez pas la peau du tueur avant de l'avoir oursé. Je sais pas s'il y a aussi du monde par ici. Oh, je pourrais peut-être garder une base de recrutement ici dans le coin quand même. Ah mais non, j'ai ça. Oui, d'accord. Bon, donc là, ils vont me sauter dessus. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. L'armée de Torek est quand même particulièrement costaude. Ah, je m'en doutais, y'a personne. Nice. Allez. Oh, tiens, va voir par là. Oh, le rocher de fer, ça y est. Très bien. Moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. D'accord. Petite sauterie. Oui, ça va bien se passer. Ah, il revient à la charge. Quoi? Ah bon? Il a recruté tout ça? Oh, avec ses arches pas loin, là. Sale bête. Va falloir que j'aille m'occuper de ça. Ah. J'ai pas de brise-fer. Oh, j'ai pas de ligne. Oh, j'ai zéro ligne. Ah d'accord. Ah ben rip. Ah oui, la rip. Hein. La rip complet. Hein. Il y a de la cave. Il y a du... Ok, il y a pas de ligne. Moi, j'ai pas de ligne. Est-ce qu'il y a un univers parallèle ou ça se gagne, ça? J'ai des persos. J'y crois absolument zéro.
Pas besoin de ligne, full ligne de feu. Ouais, mais quand ils sont nombreux à ce point-là, y compris avec des unités de cavalerie, avec beaucoup de points de vie... Non, moi j'y crois zéro. J'y crois vraiment zéro. Beaucoup d'artillerie par contre. Un maître ingénieur. Toi tu vas là. Pas d'artillerie, bon. Bon, par contre, clairement, ils vont essayer de tout faire pour atteindre... Ah, oh, j'ai ça aussi. Petite catapulte en plus. Toute mimi. Petite catapulte. Quelques tireurs, très bien. Bon, on sera plus utilisé en chair à canon. Ah oui. Il y a eux aussi. Ok. Quoi comme tir? Attention, ça c'est du perce-armure. Bon, par contre, j'ai champ libre pour aller avoiner les costauds sur sanglier là si j'ai envie. Mal quand même ça. Alors que sauvage costaud, j'ai de quoi leur rendre des munitions, hein. Oui. Ok, ça très bien. Faut qu'il attrape la cave, hein, lui. Vers l'inverse. Beaucoup de caves qui arrivent par là. Ok, ça commence. Il n'est pas à portée, espèce d'enfoiré! Super. Ça commence giga bien. Bon, ça commence giga bien. Ils arrivent toujours à se faufiler, hein. Ils arrêtent strictement jamais de chercher à contourner, hein. J'aime beaucoup lire les commentaires à base de « L'IA, c'est pas joué cave, lol !»
alors qu'elle passe littéralement toute sa vie à chercher des failles dans la formation pour pouvoir passer au travers. Oh, les trois Zara qui ont enfoncé mes lignes et qui sont arrivés sur les trucs aussi. Regardez ça! Ils cherchent tout le temps! Ils frappent à un endroit et puis hop, ils passent à un autre. Constamment. C'est terrible. Oh, c'est maintenant qu'il aurait fallu claquer l'assaut de pierre. Oh! J'en ai encore un! Allez. Oh, 20 secondes. Putain, il y en a encore qui arrivent, quoi. Alors que je suis toujours en train de courir après les premiers. Hein. Bon, allez, vas-y, nick. Trop nombreux. Par contre, il y a un fantôme qui a fait prout, mais... très très tôt. À mon avis, il est tombé sur un... Ah, ce serait Wurzag avec des attaques magiques, Wurzag. Il est tombé sur un truc à attaque magique, c'est pas possible autrement. Il est parti beaucoup trop vite. Saloperie de Wag! Wurzag donne des attaques magiques aux orques sauvages. Ah! Ah, voilà l'autre. Oh. Oh. Oh, des chars par milliers du mobile. Oh, tout ce qui rend fou chez les peaux vertes. Du mobile par milliard. Enfin, il y a de tout. Il y a de l'infanterie trash mob par milliard. Il y a de l'infanterie qui tape fort. Il y a des monstres. Il y a beaucoup d'unités mobiles. Il y a de tout. Dans un couloir. Ok. Oh non, par contre, pas cette map. Oh non, à cause de cette cassure, il faut absolument se déployer là et amener l'artillerie jusqu'au bord. Sinon, c'est la merde. Mais du coup, c'est chiant. Bon, ok, avec. Torek ira devant, mettre des runes pareilles. L'ingénieur, il reste là. Toi, t'iras devant aussi. Alors, on a du brise-fer pour tenir là. Bloquer l'autre flanc. Le centre. Ça, c'est pour contrecharger ce qui essayerait d'aller choper mes trucs. Alors. Vous allez là. Lui aussi, tiens, il contrechargera ce qu'il faut. Torek, faut vraiment qu'il aille devant. Hein. Il tanque vraiment tellement. Oh yes, yes. Oh. Avec ça, ça va être sympa, tiens. Arquebusier. Je vais les placer sur un flanc.
Ok, donc là, est-ce qu'on est bon? Là, on est bon. Ah, là, on est bon. Là, on est bon. J'ai pu me placer. Tout va bien. Ils sont pas encore là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oh là 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 là. Il y a quelques-uns. Peu dommage de claquer ça sur du gobelin, mais bon. Ouais, non mais vraiment, tirez sur autre chose. Hein. Bon déjà, si vous pouvez décimer ça... Ok, avancez-vous légèrement. Ça arrive de partout là. Hein. Allez, là, c'est parti! Défoncez-moi le seigneur. Ça bloque pas encore assez, là. Par contre, je peux claquer ça. Ça pourquoi pas. Oh, cible, cible. Toi, repousse la cave. Attention la rôtisserie. Vite, 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 vite. Trop lent, trop lent. Non. Mais beaucoup trop. Oh, ça se lance tellement lentement ce truc. En fait, ça se déclenche au bout de 5 secondes, mais l'animation est d'une lenteur. C'est pas du tout au bout de 5 secondes que le truc est effectif. C'est beaucoup plus. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Par contre, Torek, il est bien. Oh la vache, le centre. Allez, faut que ça tienne. Merde, c'est eux que j'aurais dû faire. C'est vrai que lui il a ça. Oh, il y en a encore plein qui arrivent. For a vengeance. Come on.
Ok, c'est pas fini. C'est bon, toutes les unités de l'artillerie sont là. Ok, ils se replacent. Wow, faut les intercepter vite. C'est qui avait la bombe flash? Oh, il y en a encore tellement. Oh là là, il y a encore du gros, hein, il y a encore du lourd. Hein. Allez! Ok, oui, le blob. Oh. Oh sérieux, ça me tente. Oh ça me tente, j'aurais dû être tenté plus vite. Mais ça va être bien quand même. Allez. Spru. Oh. Quand ça tape, ça tape. Oh là 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 là, oh ce nettoyage. Oh là 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 là, quand ça tape, ça tape hein. Eh, pas de doute hein. Regardez, vous voyez cette araignée? Moi pas. Pourquoi est-elle toujours vivante? C'est pas le contrat ça. Ouh, il y en a une deuxième. Une troisième. Ok. Oh, cette rune dans les blobs, elle est tellement monstrueuse. Dans les grands blobs, elle est absolument broken. Enfin, broken non, parce que c'est un truc utilisable en usage unique par un seul seigneur. Mais bordel. Salut Dave, merci pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue à tous. C'est quand même très violent. Hein. Sur un gros blob, ça doit faire... Parce que là, c'était même pas un truc incroyablement dense, quoi. Il y avait plusieurs unités l'une sur l'autre. Elles ont toutes été balayées. Mais du coup, s'il y avait 4 ou 5 unités d'un coup... ça doit être terrible. Alors, ça avance, Torek? Eh bien, oui. Tout va bien. Bon, on essaye tranquillement de finir la campagne. On n'est plus si loin des objectifs. Ah mince. Ah, elle s'est bien battue, Choupette. Elle pourra revenir, elle est juste blessée. Oh, par contre, les tueurs s'en sortent. Ah bah tiens. Let's see what you're worth. Pourquoi il y a un dino chez les nains? Parce que c'est Torek. C'est ça fait pas, enfin c'est une de ses mécaniques uniques de campagne. Il peut prendre un Carnot. Ah.
T'es tueur réutilisable, mec. Mais c'est sale. Ah oui, l'intégrité plus 2, je veux bien. Ouf. Oh, l'armée, elle pesait dans les finances. Hein. Par contre, là, du coup, tout de suite... Faut une nouvelle armée, hein. On va déjà sécuriser comme ça. Et après... Let us begin. Alors, oui, pique, il y a quelqu'un. Oh là là, Torek, il est... pas en forme. Mais il y a quand même moyen. Ah bah oui, en plus je peux utiliser l'attaque éclair pour défoncer les armées sans la wag. Perte moyenne, il m'a rien enlevé. D'accord. Bon, fort du croc tordu comme ça, je peux me régène s'il me laisse tranquille. Ah ouais, mais là non plus, il m'enlève rien. Bah nice. Merci beaucoup. Parfait. Ouais, pourquoi pas la catapulte d'élite en attendant? C'est toujours de la portée. Petite question, la WAG réduit la portée de déplacement d'une armée? Non, a priori non. Ok, alors il est où l'autre? Il est où l'autre? Il est là. Oh, c'est pas vrai, il y en a encore un là. C'est quoi ça? Dégâts explosifs. Mais il n'y a pas d'artillerie ici. Bon, par contre, lui, je vais le remplir avec des unités d'élite rien que pour compléter l'armée là, vu qu'il y a l'autre à côté. Ouais, dommage. Je sais pas s'il va me les laisser, mais ce serait bien. Ouais, il y a quand même encore des peaux vertes à nettoyer absolument dans tous les coins. Ah oui, Bellegarde, il peut revenir. Le monde de la sorcière, non mais on s'en fout. Je suis suisse. Merci Dave pour les 500 bits. Je viens de faire 2 soirées l'or sur toutes les factions du chaos. Je me suis retenu de faire un montage de ton visage sur le corps d'un Sigor. Ah mais... Quelle idée. Quelle idée de ne pas l'avoir fait. Merci Arcantarel pour les 6 mois. Sur un Sigor. Ça, ça donnerait bien. Ah là ça devient... Ah ça devient plus piquant ça.
Malus en plus. On va la garder pour la prochaine fois YouTube. Merci à Deathraptor pour les 17 mois. Salut à toi. Merci beaucoup. Allez, voir YouTube. À bientôt.